Salut tout le monde! Oh là, il y a un petit bug d'ordinateur. Ouais, je sais pas. Il m'a fait ça une fois. Enfin bref, salut tout le monde et bienvenue pour le Mortal Rems Non, oui, je sais. 72 dans la joie et la bonne humeur. Ah C'est oui, la d'accord, ton vie. clavier était enseveli C'est en la vie. dessous de. Voilà, il y a tellement de bordel que Donc forcément. j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec cette Voilà. magnifique fifigue pleine de Il poussière, est comme pas d'hab. mal de rendre. Voilà. C'est gratuit, bien sûr. Et quand je l'avance, il faut faire la poussière. Voilà. Blablabla. Ah non, fais pas ça, tu vas la À force de casser. faire, elle va finir Elle par va finir casser. par péter, la pauvre. Chaque fois que je vois quelqu'un, chaque fois que quelqu'un va ici, je lui montre que je fais ça. Voilà. Elle va décoller. Surtout avec la finesse du truc, elle tient vraiment C'est qu'elle tient sur. sur un bout. Un petit bout. Voilà, c'est un bout d'asticot. Un bout d'asticot. Maintenant, c'est son linceul, non? Ouais, c'est son truc. En fait, c'est en une pièce, là, le socle et le truc sont en une pièce. Ok. Tu regarderas dans les grappes, c'est. Attends, j'essaye de trouver le. Ah oui, là, ici. Là, il est ici. ouais, voilà, Le donc petit c'est bout. une pièce complète en fait qui est collée. Voilà, c'est pas un le truc petit collé sur bout. l'ensemble là, Et elle forcément ça date se fait. déjà de 2018. Ça fait déjà un petit moment que La ça. V2 de la V2 que j'en sortie, J'avais pas vu les petites têtes de mort là, avec les petits sabliers et tout, c'est trop mignon. c'est parce qu'elle a ici là, c'est devant le côté, je sais plus où elle. Ah ouais, c'est à côté, ouais, les Ouais, deux. c'est de fille d'honneur, on va Ouais. dire. En fait, c'est censé représenter la voix de la mariée. La quoi? C'est La censé mariée? représenter le mari, en fait, avec ses filles d'honneur. Ah ok, d'accord, je sais pas. Et quand le terreur s'en va, elle fait tellement peur que les gens meurent de peur, en fait. Ah. Enfin, elle fait tellement de terreur que les gens meurent de peur et quand le terreur s'en va, quoi. Wow. C'est un petit peu le truc. Eh ben. Voilà, c'est la malédiction de Nagash, le mortal du deuil. Pour ça, elle est en deuil. Elle n'a pas eu le temps de se marier, elle est morte avant. Pour tchot. Dame Hollander, la mortal du deuil, est donc indirectement la chef des Antonui. Il n'y a pas du tout pareil comme ça de Non, l'autre ça côté rend là. pas du tout le même. Même quand on voit la finesse au-dessus de sa tête, tous les petites gravures. Ouais, là ça paraît plus gros. Mais c'est là qu'on qu'on Ouais. voit aussi L'évolution le de. plastique, même la finesse du bâton. Ouais, c'est. Oh, putain, là, c'est hyper fin. Ouais. Ça tient vraiment. Je trouve que ça casse. J'ai pas envie. C'est là qu'on voit l'évolution du Sûr. plastique aussi entre les années Bah, précédentes. avant, et Voilà. puis, ouais, c'est Même le impressionnant. métal, il est pas en métal depuis longtemps. Il casse un petit peu Donc sa là, vie. hop. Donc là, Val d'Isol, les demoiselles, c'est deux petites banshees. Hein. Le sablier qui Des représente la vie banshees. aussi, bah, c'est deux banshees. Et elle a même affronté le Céleste Champam, elle a même tué, enfin elle a tué, elle a fait vieillir, du coup il s'est transformé en foudre, quoi. Quand elle a libéré Katakross, donc le mortal des Bone Reapers, les squelettes, c'est machin. Celui qui Ouais. ressemble aux ingénieurs, celle qui l'a libéré de sa prison en fait. D'accord, ok. Elle est quand même assez forte alors. Bah, c'est une chef d'armée, hein. C'est l'équivalent de lui en fait. C'est la big boss des Antonui. Mais du coup, elle a des pouvoirs magiques. Ouais, bah, elle peut faire peur à tous. Ici. Elle est en dessous de Nagash, quoi. T'as Nagash, t'as les Ah. trois. Enfin, après, t'as tous les Mortarques. Elle, c'est des Mortarques. Ensuite, les Fulminators. Donc, c'est les cavaliers de Stormcast, Dragon. On a vu l'autre jour les Décimateurs. Là, c'est les Fulminators. Et tout en or. C'est l'équivalent, c'est ceux des lances. Le jour c'était Ouais, celui c'est des leur grosse arbalètes, quoi. Ouais, là monture c'était. épaisse. Ouais. Je suis pas J'ai trop fan de leur que monture. le Vanguard, le personnage. Après, j'en ai pas d'autres. Mais c'est que ça fait. C'est les pattes, ça fait pas tout. Ouais, Je trouve c'est des des. grosses Ouais. pattes qui arrêtent, bizarre. Mais ses cornes et C'est un buveur sèches. de sang et un duc du changement, ouais. Donc, corne et quelque chose de démon majeur. Donc, le Vastarid. Ouais. Troisième partie du Vastarid. Les dieux sombres, c'est dans les royaumes du feu. Voilà. C'est un petit topo de ce qui s'est passé à ce moment-là avec Archaon. Et le truc aux trois yeux, parce qu'en fait il y a un œil au milieu. Tu vois le futur là au milieu. Un truc de corne ici qui lance des flammes. Ça, c'est une vieille illustration, là. Bah oui et non, dans la de Sigmar, mais elle est. Ouais. Des sanguinaires. Ouais. Wow. C'est J'aime ça. une machine de je sais pas Ah, comment t'en ça as pas s'appelle. une de ce Si truc-là? j'en ai une Oui. ici. On pouvait faire ou le Sympa. trône ou ça, moi j'ai juste fait en sorte qu'il ne s'est pas collé comme ça on peut inverser. Donc le guide d'assemblage de Dame Hollander. Avant c'était Donc, marqué elle est Lady, maintenant c'est accolée. Dame. Ah, ça collait, ouais. Rien que les roses, t'as la finesse des roses à coller. En Oh, c'est. fait, ça part à l'intérieur, du coup Faut ça être ressort comme ça à minutieux. l'intérieur, extérieur. Faut être minutieux Et pour. même pour la peinture, ça doit être pas plus fluorique, on va dire. Allez, je vous Donc limite il a une la main. peindre avant que.
Ouais, parce que là, il a quoi, il a peigné après, en fait. Donc, les mains, toujours le rosier, la grande cape qui tient du coup sur le socle. Après, les petites banshees de chaque côté. Un cigolette qui ronfle. Non, je dirais que c'est une moto dehors. Ah non, c'est Gogo qui ronfle. Il ronfle. Mais comme il va sucer des patients, tu ronfles. Petit coucou qui ronfle. Oui, monsieur Gogo, on va le laisser dormir, le petit. On prend une carton pour l'emballer. Non, on garde notre bébé. Donc, les deux demoiselles qu'on colle de chaque côté. Mm-hmm. Et puis après, ça fait du coup. Ah, fini. Elle colle vraiment sur un tout. Ah oui, ça sur un du tout. Hein. Et ensuite, la peinture, donc tu vois, il la colle pour la peindre en fait. Mm-hmm. Et là, il faut utiliser un pinceau shad pour le secouche parce que les poils longs glissent mieux, dit. Mm. Mm. Et c'est vrai que ça serait juste de la peindre à la colle après. Manu ou Greg, ils auront fait ça. Après, ouais, selon les artistes. Et j'ai Manu, un copain qui me peint mes figurines, du coup, ils m'ont peint comme ça pour. Ouais, il est peint bien en plus. Ouais, mais il rate parce que comme je les colle avant, il galère à accéder à ça. Il faut dire, mais colle le pose. J'aime bien. Mais ouais, il peint bien. C'est le passe-temps, Lulu. Ça le détend. Et ouais. Et après, je fous mieux. Et après, ça s'empile. Voilà. Ça s'empile grave. Ouais. Et bientôt dans le faux plafond. Bah ouais, un deuxième étage. On va faire un troisième étage. On est proposé d'ouvrir le fond. On va de 40 mètres carrés. Non, 70, je sais plus. On a 40 mètres. 40 mètres carrés, ouais. On va passer à 20 mètres en plus avec le faux plafond. Là. Que pour les figurines. Voilà. Donc, le soclage, les héros, de couleur. Et bah si, une fois fini, ce que ça donne. Ouais. Ouais, écoute, il me fait bailler. Un coup de barre, là. Ouais. Papilu, ça va pas faire long fou, là, chez lui. Donc, ses règles, et toi, elle fait de la magie, elle peut là le subir du désespoir. Ok. C'est une sorcière, elle a aussi bouclier mystique et très magique. C'est les deux sortes de basse. Utilisation de ses règles. Donc leur relever le sueur, en fait elle retire le sueur, elle fait peur, elle fait boue et les autres ils sautent. Minuit sonne. Ça fait un peu rigolo que des aussi grands guerriers, ils ont peur d'un fantôme quoi. Parce qu'ils ont dû en voir sur les champs de bataille. Je suppose qu'il est mortel quoi. Bah ouais, je trouve ça un peu rigolo quoi. Surtout qu'un fantôme tu retires son drap et tout en dessous quoi. Tu l'avais un drap propre. Bah elle est... en fait ouais, elle a rien en dessous, c'est mais juste une tête de mort. Bah elle est même pas toute nue, elle est toute nue. Bah elle a rien en fait. Mais c'est un drap qui flotte, tu retires son drôle, tu le drap, je vois cache-cache, c'est bien, on la voit plus. Bref. Donc minuit sonne, dit-on, minuit sonne à la porte. Le pire s'est produit, Dame Hollander a émergé des sous-mondes de fiches pour prendre le commandement des entenuilles. La mort a refermé ses griffes sur Atar. Bâtard. Ouais, c'est le nom de la vie, vous savez, quand vous arrivez. Okay. Voilà. On va chercher. Et donc, les Stormcast, les Entenuilles, Night Holt, et du coup, l'affrontement où est-ce qu'on est arrivé dans les épisodes. Et l'affrontement proprement dit. Voilà. 4 plateaux, il y a de plus en plus de figurines, hein, du coup. Forcément. Ouais, bah c'est normal, encore heureux, quoi. Bah, imagine, on restera une figurine tout le long. Ça ferait vide. Ensuite, dans le 73, donc Neve Black Talon, un personnage. Comme j'avais dit juste avant, elle avait son casque, c'est le personnage, elle avait son casque, c'est le film standard. Et dans le 74, des Vanguards de Raptor. Ceux-là, je les avais aussi avec leur. Il a été utilisé comme familier, comme barbare. Ouais, je m'en souviens. Donc voilà. Donc moi, ces versions-là, je les ai. Du coup, je pourrais faire l'autre version que je n'avais pas pu faire à l'époque. Il faudrait juste que je trouve les plans de montage. Voilà. Et donc lui, je l'ai la semaine prochaine. Mais on et l'autre pas dans filmer, 3 semaines. Toi, t'es en vacances. Ouais, moi, je pars en vacances chez les potes. Donc et l'autre, on l'aura pu. Bah, le 74, 75, 76, ça sera dans 3 semaines que la presse, elle va rouvrir. Ouais, parce qu'ils sont en vacances aussi. Voilà, donc après, bon, bah, en fait, c'est la dernière vidéo. Là, après, bon. Donc voilà, en fait, on se voit plus pendant 15 jours, moi. Ouais. Avec la presse fermée, et puis bah, du coup, c'est pas qu'on est plus filmé, mais c'est qu'on est pas. Voilà, c'est qu'on aura pas patienter filmé. Un petit peu en attendant. On arrive en plus sur la fin, hein, début septembre, ça se termine. Et on n'a toujours pas de nouvelles de Imperium.
C'est le, qui est la suite de Conquest, ouais. Enfin, la version 2. Soit ça n'a pas eu le succès escompté dans... parce qu'ils ont fait ça. Mais... Et partout ça s'arrache. Hein. Ouais. C'est où ils ont peur que ça se vende trop, mais ils n'arrivent pas à gérer. Déjà, Mortal Rêve, ils ont du mal à gérer le départ, hein, tout le monde demande. Ou ils vont le décaler après. Donc, ouais. Et on verra si ça sera toujours à 9,99 comme ici. Je pense, bah, ça s'achète, hein. C'est même pas Guest Workshop, ça s'achète qu'il y Ouais, mais ouais, ils font les prix corrects quand même. Ouais, bah, après, tu vois que ces figurines-là, elles coûtent 20 ou 30. Je vais regarder combien elles coûtent. Combien elles coûtent, cette figurine? Moi, j'avais acheté du coup à l'époque. Hop là, petit moment qui fait le tour. Nous allons voir ceci. C'est vrai qu'il faudrait voir. Toutes les figurines et faire un calcul pour voir combien on a économisé. Tu l'as déjà fait? Je le fais au fur et à mesure. Bah, comme pour Mortal Kombat. Comme ça. Les Night Holter, elles coûtent 40 euros. Wow, putain! Là, on a eu 9,99, on fait 30 euros d'économie. Mais Dieu, mon Dieu! Ah, des gosses! Oh, les biscottes! Oh là là! Petite biscottine! 30 euros d'économie. Ouais, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Mm-hmm. Ça, vu achat par mois, ça fait 40 euros. Si tu peux mettre tout, c'est que ça revient une petite somme. Là, en totalité, j'ai 76 magazines. Puisque les premiers, j'en avais acheté 2 ou 3. Actuellement, on est à 782 euros d'achat. Chou, ça sur, paraît énorme. Bah, sur, mais bon, après que c'est fractionné à 40 euros par mois. Voilà, depuis le 10 mars 2021, on a démarré. Et si on aurait tout pris à Games Workshop, on aurait acheté pour 1500 euros déjà. Waouh! C'est énorme en fait. Bah, quand on voit comme ça, ça paraît tellement énorme, ouais, c'est incroyable. Tu vois la différence en général. Tchou! Bah, comme là, Toute la collection complète, elle fait 1514 euros si tu achetais directement à Games Workshop. Là, nous, on est à 782 euros. Ouais, tu fais une belle économie, ouais. Tu n'occupes pas la moitié, quoi. Au moins 700 euros. Ouais. On dirait pas comme ça en fait, c'est incroyable. Avec Conquest, hein, c'est l'équivalent de 800 euros sur, pour 1200, 1500. Ouais. Conquest, j'en ai eu pas mal en double. Là je n'arrive pas à les avoir en double, parce qu'après, c'est plus. Ah en fait, il y a tellement de demandes, j'ai réussi à n'avoir qu'un pour moi. Elle avait eu plein de demandes, elle m'en a pris qu'un pour moi, je suis le seul qu'elle a pu avoir. Okay. Elle m'a dit de ne pas le dire, donc faut pas le dire. J'ai dit. Voilà, donc, pour ce Mortal Rem 72. Voilà, et il y a beaucoup, on arrive à 80 bientôt. 72, 5, 7, 8, il n'y en a plus que 8 en fait. Sachant que les derniers, bah, c'est les gros figures, les grosses figures, là, le Stormcast Eternal, les gros véhicules, et il y en a un, c'est du point du top. Et ouais. Donc voilà. Bah, on vous dit bonnes vacances. Bonnes vacances. Et dans 15 jours. À bientôt. Voilà. Buvez de l'eau, hydratez-vous bien parce que fait chaud. Ouais. Voilà, et on se dit au mois d'août pour. Non, au mois de septembre. Ou fin août. Fin août. Ah oui, c'est vrai. On fait une petite. Ah oui, c'est vrai. Une petite peinture. Ah oui, mois d'août. Voilà, ouais, donc on se voit au mois d'août. Quand je rentrerai, on prend De la peinture, une petite peinture de Fifi, ça sera bien. En tranquillou. Qu'est-ce que je vais peindre? T'as l'embarras du choix, tu pourras choisir pas dans ce temps. Ouais. Tu pourras méditer sur tes figurines. Allez, on vous laisse. Salut, à la prochaine. Au revoir.